Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand rassemblement pour que la paix et l'amour règnent sur cette terre. Merci d'être là, nombreux à participer à cette nouvelle réunion. Vous voyez combien elle est énormément importante compte tenu de la situation générale que nous retrouvons tant dans notre pays qu'au niveau international avec toutes ces catastrophes naturelles, ces guerres, ces maladies, ces... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc merci d'être là. La Terre n'a jamais eu au besoin d'autant d'amour qu'aujourd'hui, ainsi que l'humanité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques, en médecine naturelle, et je suis par ailleurs auteur et conférencier. Donc merci de votre présence à ce nouveau rassemblement où nous allons tous, selon nos convictions personnelles, méditer, nous recueillir, prier. Et là, évidemment, nous ne faisons pas de prosélytisme. Toutes les personnes de toutes les religions sont les bienvenues, évidemment. Et puis, merci aussi pour envoyer simplement de bonnes pensées, des pensées d'amour et de compassion, pour que la paix et l'amour règnent entre tous les êtres humains, entre toutes les nations, et surtout ensemble de la Terre. Voilà donc la réunion va se composer de va avoir plusieurs intentions de recueillement qui va la première va être sur l'humanité qui est la plus importante à mon sens parce que c'est elle qui en a le plus besoin actuellement quoique donc sur l'humanité sur tous les êtres humains qui sont dans la souffrance en particulier la guerre et la famine la maladie l'insécurité etc. Après ça, nous aurons une pensée pour les défunts, pour les personnes qui sont mourantes, les personnes, les défunts, les êtres désincarnés qui sont sur la voie de l'au-delà et qui ont besoin de notre aide, de notre soutien, ainsi que pour les familles des défunts. Nous prierons également, nous nous recueillerons, nous méditerons pour tous les animaux, tous les végétaux et surtout pour notre planète, la Terre, qui, comme vous le savez, avec l'humanité, ne forme qu'une seule unité. Et donc, c'est pour ça que quand l'un souffre, cela se répercute sur l'autre et vice-versa, sans parler de toutes les nombreuses horreurs que nous faisons, nous déjà entre nous êtres humains, mais aussi sur cette planète, avec la pollution, avec les extractions de minerais, etc., etc. Enfin, on travaillera pour l'ouverture des cœurs, l'ouverture des esprits parmi tous nos congénères, tous nos concitoyens, tous ces hommes, tous ces femmes, tous ces enfants, afin qu'ils s'ouvrent à la compassion, au partage, à l'équité, à la justice. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a aussi une playlist qui est là toujours sur ma chaîne YouTube et que vous pouvez voir ainsi revoir et revoir ces rassemblements et venir à chaque fois que vous les revisionnez et chaque fois que vous les visionnez, vous allez vous connecter à l'esprit du groupe et ainsi pour le renforcer même a posteriori. Donc merci pour vos mentions like, merci pour vos partages, vos suggestions, vos commentaires. Vous savez que tous ces rassemblements sont entièrement gratuits et anonymes également, et la meilleure manière de pouvoir participer, voire me remercier pour ces actions, eh bien, moi, je ne demande rien pour moi, je demande simplement à ce que vous puissiez liker, partager, pour que nous puissions toucher le plus grand nombre de personnes. C'est comme ça que vous pouvez me faire le plus grand plaisir. Merci pour ça. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer notre rassemblement, notre réunion. Et comme à mon habitude, je vais vous conseiller de vous installer confortablement, agréablement. Et puis, de commencer peut-être à entrer en vous, entrer dans votre corps, entrer dans votre tête, laisser faire, sentez le calme et la paix, entrer en vous. Respirez tranquillement, agréablement. Laissez-vous aller. Détendez-vous. Relaxez-vous. Et nous allons commencer par appeler les énergies de la Terre afin qu'elles viennent sur nous. Nous allons appeler aussi les énergies de l'univers,
et de toutes les dimensions. Nous allons appeler les énergies spirituelles et les énergies du monde céleste. Les énergies divines. Sentez ces énergies descendre sur vous, vous renforcer, vous aider, régénérer l'ensemble de votre être. Laissez-vous aller, détendez-vous, sentez ces énergies bénéfiques. Mais aussi maintenant, nous allons appeler tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les hiérarchies, les saints, les divinités, les maîtres, les sages, sans oublier le divin d'amour, afin qu'ils viennent nous aider dans cette réunion, ce rassemblement. Qu'ils entendent nos prières, nos suppliques, nos intentions, nos demandes, et qu'ils y intercèdent. Nous allons demander aussi à ce qu'ils viennent nous protéger durant ce rassemblement, nous protéger individuellement, mais aussi collectivement. C'est ainsi que nous formons un groupe uni, dans l'esprit de venir en aide à l'humanité. Un groupe uni, entouré d'êtres de merveilleux, d'une puissance incommensurable, d'un amour inconditionnel, et que nous baignons tous dans la lumière divine. Et maintenant, nous allons commencer notre première intention en demandant à ce que toutes ces énergies merveilleuses que nous recevons, cette lumière divine, que tous les êtres de lumière céleste descendent sur l'ensemble de la Terre. Sur tous les êtres qui la peuplent, les êtres humains, les consciences, les animaux, les végétaux, les minéraux, la planète entière. Que ces énergies merveilleuses viennent les aider, les nourrir, les soutenir, les protéger, les guider, les conseiller. Concentrons-nous sur cette demande.
Et puis maintenant, nous allons concentrer davantage nos pensées, nos prières, nos méditations, notre recueillement, nos bonnes pensées pour l'ensemble des êtres humains, toutes les femmes, tous les enfants, tous les hommes, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, afin que les énergies que nous recevons, que les êtres de lumière et que le divin d'amour viennent leur à leur aide pour les soutenir, les guider, les conseiller, en pensant plus particulièrement à ceux ou à celles qui en ont le plus besoin, qui sont peut-être dans la guerre, la famine, la maladie, la précarité, la souffrance. Mais aussi nous allons penser aux dirigeants, afin que ces énergies merveilleuses les aide à faire les meilleurs choix pour l'ensemble de l'humanité. Mais aussi que toutes ces énergies merveilleuses, tous ces êtres extraordinaires, aident tous les êtres humains, individuellement, à ouvrir leur esprit et à ouvrir leur cœur, afin qu'ils développent un esprit de tolérance, de compréhension, de compassion, de partage, d'équité, d'intégrité. Alors, recueillons-nous pour tous les êtres humains, mes amis. Maintenant, nous allons penser plus particulièrement à tous les défunts, à tous les êtres qui sont actuellement aux portes de la mort, à tous les êtres qui sont sur le chemin de l'au-delà et qui sont dans la difficulté, mais aussi à toutes les familles, tous les proches, les conjoints, les conjointes, qui sont dans la peine et la souffrance d'avoir perdu un être cher. Alors nous allons leur envoyer de l'énergie à tous ces défunts, à tous ces êtres désincarnés. Nous allons envoyer des pensées, de l'amour, peut-être du pardon, et nos prières pour leur donner l'énergie de s'envoler vers l'au-delà où se trouve leur véritable vie. Maintenant,
qu'ils ont traversé le fleuve. Allons-y, mes amis. Et maintenant, nous allons envoyer nos énergies, nos bonnes pensées, notre amour, nos prières à toute la Terre, à notre planète extraordinaire qui nous donne la vie, qui nous permet notre évolution, mais aussi à tous les animaux et tous les végétaux qui nous accompagnent et qui nous permettent de vivre. Grâce à la nourriture et l'oxygène fourni par les végétaux. Donc, nous allons penser à cette merveilleuse planète afin de demander sa purification, son nettoyage de toutes les pollutions, pollutions sous toutes ses formes, pollutions chimiques, pollutions psychiques, émotionnelles, spirituelles. Afin qu'elle retrouve son harmonie, son équilibre, et qu'ainsi elle nous donne les meilleures conditions pour notre vie. Aidons son nettoyage par nos pensées, nos prières, notre amour. Allons-y, mes amis.
Voilà, avant de terminer ce rassemblement, je vais vous proposer une petite minute de recueillement, d'introspection, afin de vous connecter à votre être intérieur, mais aussi aux êtres de lumière qui nous ont accompagnés dans ce rassemblement, au divin d'amour, afin de l'honorer, de le remercier. Ce divin d'amour qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui nous a donné la vie et qui fait tout pour l'entretenir et favoriser notre évolution. Prenons un petit moment de recueillement, mes amis. Voilà, mes amis. Ce rassemblement est maintenant terminé. Vous savez qu'il y aura un nouveau rassemblement pour que la paix et l'amour règnent sur cette terre dans 15 jours, le jeudi, à 21 h, comme d'habitude. Jeudi prochain aura lieu un soin énergétique intemporel où vous êtes évidemment cordialement invités à participer. En attendant, je vais vous souhaiter une belle soirée et n'hésitez pas à venir faire des petits sauts sur mon site internet, sur mes pages Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter. Vous savez que vous êtes toujours, et Instagram, et vous savez que vous êtes toujours les bienvenus. Bonne soirée et à très vite. Merci encore de votre présence.